Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 16 de notre aventure horrifique sur Dead Space. Évidemment, on est parti pour la suite, on devait franchir cette porte, let's go, installez-vous, plongez-vous dans cette horreur évidemment. Et nous sommes partis. Wesh. Jouer avec le feu. Non mais là, c'est quoi ces conneries? J'ai utilisé beaucoup trop de balles pour cette connerie, j'ai le seum. Oh là là, c'était la première fois que je les voyais, j'ai utilisé beaucoup trop de balles. Tiens, on a quoi là? Oh, une sale bonus. Oh! Cutter Plasma. Energy Laser. Ok. Cabron. Ok, allez, on est parti. Direction le shop. Mais à quoi a servi? Je ne comprends pas. Ça, on revend. Ok. Tenue niveau 3, niveau 1, niveau 2. Tenue de niveau 1, de niveau 3. Ah, c'est le fait que ce soit abîmé, je ne comprends pas. Je dois être teubé. On change de tenue ou pas? Inventaire. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça, j'ai compris, mais. Et ça, qu'est-ce que c'est? Rien de nouveau sous le soleil de Mexico. Alors ça veut dire que derrière, j'ai pas compris à quoi servait le truc de Riley, hein, réel. Hein. Je dois être teubé de fou. Là j'ai une amélioration gratos les gars. J'ai une amélioration gratos, vas-y go, je la prends. On va l'équiper tout de suite. Pas envie de me faire du trape. Non pardon. C'était où déjà? Il était là le store. Ok. Amélioration gratos, s'il te plaît. Un point de force supplémentaire a été récupéré. Nouvelle capacité spéciale. Et c'est là. Les attaques au corps à corps peuvent renverser l'ennemi. Est-ce que vous pensez qu'il y a un monde où c'est cheaté? Allez, on va aller chercher ça. Hein. Putain, c'est pas l'arme que j'utilise le plus, ça me fait chier quand même. Mais on va aller le chercher quand même, hein. C'est pas grave. Hein. On verra plus tard. Hein. Bon, on va save, étant donné qu'on a quand même fait 8 mètres, c'est assez insane. Ok, allez. On est reparti. C'est pas évident, les amis, d'accord? Me jugez pas, s'il vous plaît. Me jugez pas. Allez. Bah, chacal. Oh, ça va devenir problématique en fait de vous tuer les gars, hein. Ok. Bon, ça me casse les couilles ces histoires. Ok. Ça, bah les couilles. Ok, le petit piège ascenseur. Bon, deux munitions tirées à côté malheureusement. Néanmoins, il lui en a fallu bien 8-9 dans le gosier. Et encore, il lui tapait des barres, hein, le man. Hein, donc, ok, on va save. On a fait 8 mètres supplémentaires. Et ça me paraît pas mal. Ok. Let's go. Parfait.
Il y a des casiers, mais ça m'a l'air trop facile d'accès. Est-ce que ça sent la... Est-ce que ça sent la douille, comme disait Maître Gims? Oh la vache. Ah ouais, mais quand on t'offre autant de... Oh là là. Quand on t'offre autant de problèmes, c'est que ça sent pas bon. J'avais pas vu ça. J'avais même pas vu ce que c'est. Oh là là. On resave, on a fait 8 mètres à gauche. Faut pas déconner. Ah, c'est pour éviter de tout refaire, parce que si on meurt, c'est relou, les gars. Allez, c'est parti. Bonsoir. Oh, ça a l'air stylé. Mais regardez ce qu'on va regarder. Porte bloquée. Veuillez contacter un technicien. Y'a un Tekos là ou pas? Elle est bloquée, bah. Oh. Ce maudit Léviathan. Il a dû se raccrocher à l'antenne quand on l'a envoyé dans l'espace. Il a l'air bien décidé à en découdre. Isaac, y'a pas le temps. Si. Si j'utilise des canons de défense, avec la visée manuelle, je devrais pouvoir l'expulser de la coque. Je m'en occupe. Concentre-toi sur le Valor. C'est ça qui fait la taille d'une planète ou quoi, le man? La taille d'une planète ou quoi, le man? Est-ce qu'il peut y avoir une phase sympa de shoot là, de shoot them up là, où on risque pas grand chose? Entrez dans une zone de vide. What? Entrez en zéro gravité. Visée manuelle de la vie. Oh, je prends. Oh, j'ai réceptionné. Visée manuelle activée. Allez, doux Jésus. Les gars, s'il vous plaît, wesh. Je suis tenu, quoi. Je ne comprends pas. Je piche pas. Je ne comprends pas, hein. Ça sera grave. Visée manuelle activée. Comment ça? Mais je suis teubé ou quoi? Oh, les gars! C'est trop! Rien ne tape en fait, je ne comprends pas. Voilà, je piche pas, je... Bon, on va sûrement mourir, je ne piche pas. C'est quoi les bails? Thank you.
D'accord. D'accord. Ok, j'ai compris. Waouh, j'ai compris les gars, c'est bon, c'est bon, c'est terrible. Un coup, il faut... en fait, il fallait tabasser la touche croix pendant 8 ans à peu près pour retirer ce qui sert de carcasse. Oh là là. Terrible, hein. Allez, c'est parti. Porte bloquée. On est reparti, on est reparti, on va y arriver, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Elle est bloquée par ce maudit Léviathan. Aïe 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 aïe. Il a dû se raccrocher à l'antenne quand on l'a envoyé dans l'espace. Il a l'air bien décidé à redécoudre. Isaac, il n'y a pas le temps. Si, si j'utilise les canons de défense, avec la visée manuelle, je devrais pouvoir l'expulser de la coque. Je m'en occupe. Concentre-toi sur le Valor. Entendu. Ok. Allez, on est reparti, les amis. Entrez dans une zone de vide. Entrez en zéro gravité. Visée manuelle activée. J'ai pas le temps. N'importe quoi. Alerte. Canon de défense détruit. C'est vrai. Allez, je dépense, c'est terrible. Hein. Allez, on est reparti. Bon, le premier va pas être trop dur. Le premier devrait pas être trop dur. Après, ça commence à devenir un enfer. Les boules qu'il envoie en balle, le laser n'a pas une vitesse d'attaque assez adéquate pour me régaler. Et donc ça, c'est un autre problème. Mais bon, on va essayer de s'en occuper, évidemment. Allez, on est reparti. Terrible. Allez, on va save pour éviter de refaire 10 milliards de fois cette scène insupportable. Ok, allez, on est parti.
troisième tentative, les amis. Non, on va passer un quart d'heure sur ce boss, c'est terrible. Une demi-heure, qu'est-ce que je dis, on a déjà passé un quart d'heure. Allez. Entrez dans une zone de vide. Entrez en zéro gravité. Ok. Visée manuelle activée. Ok. Alerte. Canon de défense détruit. Voilà, vous l'aurez compris, c'est la merde. La vache. Ok. Très bien. Visée manuelle activée. Ah, c'était... J'ai pas parlé parce que, les gars, bah, j'en prenais plein à gueule. Non. Merde, je croyais que c'était... Même pas un petit bonus, rien là qui régale. Mais le Léviathan, on va se le retaper, hein. Ça, je vous le dis, hein. Allez. Aïe. D'une zone de vide. Allez, on est reparti.
Ah non, mais je me taisais, frère. On en prenait plein à la gueule. On va resave, j'ai pas envie de le refaire. Ça, c'est mort. Allez. Merci, mon pote. L'avantage, c'est que Dead Space, quand tu fais un boss, t'es souvent obligé de mourir pour voir comment il fonctionne. La deuxième fois, t'essayes un truc. Et la troisième fois, t'essayes d'optimiser. Donc là, je trouve que c'est ok. Hein. On n'a pas perdu un milliard de munitions non plus. Ouais, enfin. USM Valor, ici Kendra Daniels à bord de l'USG Ishimura. N'ouvrez surtout pas cette capsule. Je répète, n'ouvrez pas la capsule. Vous me recevez? Il est trop tard. Le Valor! Il fonce sur toi! Attention! Waouh. Ok. Daniels, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose a secoué le pont d'équipage. On a touché un astéroïde? Des choses sont montées à bord du Valor. Un vaisseau de secours. Ils ont trouvé votre capsule de sauvetage et la créature qui est devenue Chen a... Nom de Dieu! Le Valor est foutu. Le temps qu'un autre vaisseau intercepte la balise de détresse, on sera tous morts. Non, c'est ce que je vous disais. J'ai trouvé une navette sur le pont d'équipage. Elle est intacte. Et le registre dit que cette navette n'a plus de réacteur. Elle pourra pas nous ramener chez nous. Attends, peut-être que si. Si le réacteur du Valor est intact, je pourrais le récupérer, l'installer sur cette navette, et on se tirera d'ici. Le Valor est où maintenant? Vers les coms. Parfait. Isaac, je vais prendre une tenue pour rejoindre le Valor. Rendez-vous là-bas, nous trouverons ce noyau ensemble. La COC nettoiera son propre bordel. Moi, je vais sauver ce que je peux. Non mais attends. Il te parle de changer un moteur de vaisseau spatial comme si, frérot, tu changeais les piles de ta télécommande. Les gars, on est où, là? C'est incroyable. Ok. On est parti. Sortie d'une zone en zéro gravité. Ok. Oh là 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 là. C'est la merde un petit peu à tous les niveaux, là, les gars. Hein. Je suis pas défaitiste, mais... Ok... On est où, là? Waouh. Quoi? Accéder au sas du Valor. Mais non, foutez de la tête. Ah, où ça? Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, faut... Oh, d'accord. Faut que je ressorte. J'aurais dû regarder un petit peu plus tôt. Sinon, les amis, j'ai revu à quoi ressemblait Dead Space à l'époque. Alors, le jeu, il y avait son intégralité, hein, comme on est en train de le vivre. Mais c'est vrai que les textures, waouh, t'as vraiment l'impression de jouer sur un ancien PC à 500 balles, frérot. Le genre de PC que tu trouves à Leclerc. Oh oui, bon, toujours plus, les mecs, putain. Oh! Bah oui, mais ça veut dire que là, on va sur un autre vaisseau, on va sur le Valor. Ah oui, d'accord. Waouh. Isaac, je suis à bord. Le Valor est mort, mais je peux atteindre le pont. Ah, mais il y a la créature, frère. Tu crois ça? Mais il est con, quoi. Sortie d'une zone en zéro gravité. Il est teubé ou quoi? Transmission étrange. Secours et recherche terminés. Ok. Oh waouh. Ok, bah tu connais, on va save, hein. On a fait quand même 12 mètres à peu près. C'est parti, décès à l'arrivée. Ah. Comme c'est étrange. Ok. C'est un beau vaisseau ça. Hein. Ils ont vécu quoi eux, frère? Yo. Attendez, un petit récap au niveau santé quand même. C'est bien ce que je pensais, c'est la merde. Ok. Isaac, on a un problème. Le Valor transporte une ogive de 12 mégatonnes. Le crash a fortement endommagé la zone des torpilles.
Occupez-vous de cette bombe avant que quelque chose la déclenche. Que je m'occupe de ce truc de 12 mégatonnes? Vous savez que je suis pas ingénieur en nucléaire, n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de l'être. Stabilisez l'ogive et éjectez-la de l'Ishimura. Sérieusement, Hammond? Personne ne vous a entraîné à découper des monstres avec un cutter plasma, et pourtant, vous nous avez jamais déçus. Ok, je suis la belle salope du groupe, hein, comme d'hab. Y'a des trucs qui bougent pas. Putain, y'a pas un moment d'accalmie dans le jeu. Hein. C'est vraiment, ils t'en mettent, mais plein la gueule. Hein. Attends. J'ai pas assez fouillé, hein. Bah ouais, hein, mon gars. Hein. Clairement pas assez fouillé, hein. Ok. Eh, vas-y, je pense que quelque chose me dit que j'ai oublié quelque chose. Quelque chose me dit que j'ai oublié quelque chose. Dans les grosses cases là-haut. Là. On va y retourner sur un malentendu. Moi, je veux tout fouiller. Ne serait-ce qu'une munition, c'est une petite victoire. Mes couilles. Ok. Les amis, on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la suite de notre aventure. Bisous tout le monde. Bye bye.